Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Une tombe souterraine a été découverte dans la province de Kharberd en Arménie occidentale, apprenant à connaître l'Artsakh, le village de Hortashen. Dans le contexte de la crise ukrainienne, la Turquie cherche à créer une nouvelle situation dans notre région, Ruben Safrastian. Il y a 34 ans, du 27 au 29 février, des massacres et des déportations massives de la population arménienne étaient organisées à Sumgayit. Les casques bleus russes sont en contact permanent avec les habitants de Khramort et surveillent la situation opérationnelle. Les Kigyons du printemps sont déjà arrivés à Igdil, culture arménienne dans le royaume d'Ararat. Des ruines datant de 1800, datant de la période romaine, ont été découvertes dans l'une des vallées de la province d'Ar de Kharberd, en Arménie occidentale. Le chef des fouilles, Ismail Aytaj, a déclaré que diverses structures ont été trouvées dans la vallée de 4 km de long, y compris les structures voûtées appelées catacombes, où les morts étaient enterrés. Des structures paléochrétiennes ont été trouvées où les chrétiens adoraient en secret, ainsi que des dépôts de céréales creusés dans la roche. Selon le professeur, la région traversée par les Prates a accueilli de nombreuses communautés arméniennes depuis la période paléolithique et des traces de peuplement ont été trouvées ici, datant de 6000 avant Jésus-Christ. Hartashen est un village de la région de Hadrut de la République d'Artsakh qui est actuellement temporairement sous le contrôle des forces armées d'Azerbaïdjan. Le village est situé dans la partie sud-est de la République, à 71 km de capitale Stepanakert. La zone communautaire est en plaine, à une superficie de 357 hectares, dont 304 hectares sont d'importance agricole, 3,2 hectares sont des terres forestières. Le seul monument historique et culturel de la commune est le cimetière qui existe depuis le XVIIe siècle. Selon les dernières données, la population de la communauté était de 91 personnes. Il y avait 31 familles dans le village. La population est principalement engagée dans l'élevage et l'agriculture. Il y avait une municipalité de village, un poste de secours dans la communauté et les élèves fréquentaient l'école scolaire d'Urtazor. Le turcologue Ruben Safrastian a évoqué la confrontation russe-turque pour l'influence dans le Caucase du Sud dans le contexte de la crise ukrainienne. Selon le turcologue, la Turquie tentera d'utiliser la crise ukrainienne en fonction de ses intérêts dans notre région. Selon Safrastian, la Turquie, en durcisant sa position vis-à-vis de la Russie, tentera de créer une nouvelle situation dans notre région pour entraver les contre-actions de la Russie. Dans ce cas, la Turquie utilisera l'Azerbaïdjan comme un outil, c'est-à-dire qu'elle exercera une pression directe sur l'Azerbaïdjan pour qu'il entre dans une phase plus active de provocation contre l'Arménie et les casques bleus russes en Artsakh. Le gouvernement d'Arménie occidentale rappelle que la Turquie cherche à revoir les traités conclus après la Première Guerre mondiale, en particulier le traité de Sèvres ratifié par la Turquie. Du 27 au 29 février 1988, des massacres et des déportations massives de la population arménienne ont eu lieu dans la ville de renommée internationale de Sumgayit en Azerbaïdjan soviétique. À cet égard, dans une conversation avec Artsakh Press, le président de l'ONG Qajar, centre scientifique, candidat des sciences historiques, professeur agrégé Maher Harutsunyan, a particulièrement noté l'analyse des témoignages et de ses conduits à l'idée que le génocide de Sumgayit a été organisé par les autorités soviétiques azerbaïdjanaises qui visaient à intimider les Arméniens en les forçant à se retirer de la lutte de libération nationale de l'Artsakh. Selon certains analystes, le génocide des Arméniens était planifié à Askeran, mais lorsque la résistance s'est réunie ici le 22 février, la fouille s'est retirée. Les autorités azerbaïdjanaises ont décidé que le pogrom s'exécute à Sumgayit. Comme on le sait, Sumgayit a été construite et est devenue la troisième ville d'Azerbaïdjan avec la participation active des Arméniens. Le génocide de Sumgayit était dirigé contre l'Artsakh et les Arméniens d'Artsakh. Environ 18 000 réfugiés arméniens qui ont échappé au massacre ont trouvé refuge en RSS d'Arménie et dans la région autonome de Haut-Karabakh ainsi que dans d'autres républiques de l'URSS. Le Conseil national d'Arménie occidentale, depuis sa formation, a essayé d'organiser les Arméniens d'Azerbaïdjan dans la défense de leurs droits en tant que population autochtone d'Azerbaïdjan.
La situation dans le village de Khramort en Artsakh est calme. La colonie continue de vivre ses soins et de son travail quotidien. Il convient de rappeler que depuis le 16 février, la partie azerbaïdjanaise a violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu sur le tronçon Khramort-Akhna-Ardam de la ligne de contact, tirant sur un conducteur de tracteur travaillant dans la vallée. Puis le lendemain, les villageois ont été avertis verbalement de quitter la zone. Ces tentatives infructueuses ont été suivies d'appels par haut-parleur. Les agents du département de police de la région d'Askiran du ministère de l'Intérieur sont en contact permanent avec les habitants de Khramort et surveillent la situation opérationnelle. À Igdir, située dans la partie orientale de l'Arménie occidentale, Oliver et Rigero, la température est montée à 20 degrés. Igdir étant sur la voie de la migration des oiseaux, abritant de nombreux espaces d'oiseaux, a déjà accueilli les premiers kigun de cette année, qui sont venus avec le réchauffement climatique. Ils ont déjà commencé à tisser leur nid. La présence des kigun annonçant l'arrivée du printemps rend heureux les habitants des agglomérations environnantes. La culture arménienne s'est formée pendant la période des unions tribales et des formations étatiques. De nombreuses anciennes colonies ont été découvertes sur le territoire de l'Arménie occidentale, où les armes, les outils, les articles ménagers, les statues et les bijoux trouvés témoignent du développement culturel ancien et élevé. Le royaume de Van a joué un rôle dans la formation et le développement de la culture arménienne ancienne. L'un des exemples les plus brillants de la culture urartienne est constitué par les fragments du tronc royal de bronze, conservé en partie au musée de Londres et en partie à l'Ermitage. Des traces de fresques aux couleurs vives ont été conservées sur les murs des bâtiments architecturaux d'Urartu. Les fouilles ont également découvert une grande quantité de bijoux en or et en argent de haute qualité. Merci de votre fidélité. Et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Selas barı iligui, biraz barı bokar topli. Selas barı iligui, biraz barı bokar topli. Moştirik tuk, nomay bui, hamilik mi bokar topli. Moştirik tuk, nomay bui, hamilik mi bokar topli. Udik hami, kefani, hayganuşin, harsanik. Din khamik, hefamik, hayga mushin, harsanik.